Salut tout le monde, je vous en prie, installez-vous, faites comme chez vous, c'est le moment de Côté Comics. Alors au sommaire du jour, on va commencer avec Julien, pour l'actu des sorties de la semaine. Ensuite Thomas a lu pour nous Midnight Nation. Et enfin moi je vais vous parler de séries télé, parce que les séries télé c'est quand même trop bien. Alors on va parler des suites des séries télé en comics. Mais tout de suite, on va retrouver Julien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Plongeons-nous une nouvelle fois dans l'actualité des super-héros. On débute encore avec du cinéma et Avengers Age of Ultron, la suite bien sûr du premier film sorti en 2012. Après Scarlet Witch et Quicksilver, un nouveau personnage rejoint l'équipe, il s'agit de The Vision. Rien de surprenant puisque dans les comics, The Vision est un androïde créé par Ultron, mais qui se retourne finalement contre lui et rejoint les Avengers. L'acteur qui a été choisi est Paul Bettany, un choix intéressant puisque c'est lui qui interprète aussi Jarvis dans les films Iron Man. Il pourrait donc y avoir un lien entre les deux. Autre personnage possible mais qui n'est qu'à l'état de rumeur pour l'instant, Mrs. Marvel. Il faudra attendre confirmation pour elle. Avengers Age of Ultron est toujours réalisé par Joss Whedon et débarque en France le 29 avril 2015. La série TV Gotham, c'est du sérieux. Souvenez-vous, il s'agit de la série qui s'intéressera au début du commissaire Gordon dans la police de Gotham City diffusée sur la Fox. Eh bien, Jim Gordon a été choisi, il sera interprété par Ben McKenzie, déjà bien connu à la télé pour ses rôles dans The OC et Southland. Mais il ne sera pas seul, beaucoup d'autres personnages ont aussi été choisis, tout d'abord Harvey Bullock, évidemment, qui sera joué par Donald Logue. Ces deux femmes, Barbara Keane et Sarah Essen, interprétées respectivement par Erin Richard et Zabriana Guenavar. Alfred sera aussi de la partie sous les traits de l'acteur Sean Pertwee. Et enfin, Oswald Cobblepot, le pingouin, sera lui interprété par Robin Lord-Taylor. Le casting pour un Bruce Wayne enfant a aussi été lancé. La série devrait débuter à la rentrée prochaine. La grosse annonce du côté comics, c'est le retour du scénariste Geoff Jones sur la série Superman, qui sera accompagné au dessin par John Romita Jr. Eh oui, l'artiste phare de Marvel débarque sur l'homme d'acier. Le duo avoue avoir de nouvelles idées, encore jamais vues, pour le personnage, et tient à lui rendre son étiquette d'homme de demain. Ils débuteront leur run cet été. Mais avant ça, Superman devra une nouvelle fois se frotter à la créature qu'il a tuée, Doomsday. À partir du mois de mai, le crossover Superman Doomed touchera les trois séries Superman, Action Comics et Superman Wonder Woman. Les scénaristes seront donc Scott Lobdell, Greg Pak et Charles Soule. En vrac, nous aurons le droit à une série solo pour le personnage de Cyclope, par le scénariste qui fait son retour chez Marvel, Greg Rucka. Il sera accompagné par Russell Dauterman au dessin pour une série au penchant très cosmique qui découle des événements de la série All New X-Men encore inédit en France. Nouvelle série aussi pour Shang-Chi, le maître du Kung-Fu, remis en avant dans la série Avengers de Jonathan Hickman. Ce sera une mini-série en 4 numéros, écrite par Mike Benson et dessinée par Ta Gweng Watt, qui enverra Shang-Chi en Angleterre venger la mort d'un proche. Enfin, Image Comics annonce un crossover entre ses séries Chu et Revival. Ce sera dans un numéro individuel qui sortira le 28 mai. Les auteurs des deux séries, John Lehman, Rob Guillory, Tim Seeley et Mike Norton, seront bien sûr tous impliqués. Passons maintenant aux sorties comics de fin février. Et on débute avec du Punisher, puisque la mini-série Punisher Warzone arrive enfin en kiosque, dans le premier numéro du nouveau magazine Marvel Saga. Cette histoire en 5 numéros est en fait la suite de la série Punisher, que vous avez pu suivre récemment dans le magazine Marvel Knights, puisqu'elle est aussi écrite par Greg Rucka, qui conclut son run et dit en quelque sorte au revoir au personnage. Le Punisher doit répondre de ses crimes et se retrouve traqué par les Avengers, bien décidé à stopper une bonne fois pour toutes. On assiste donc à des affrontements explosifs entre les plus grands héros de la Terre et les mercenaires en fuite. Un récit de qualité qui se lit avec plaisir, même s'il vaut finalement plus pour sa finalité que pour son déroulement. Carmine Di Giandemineco est au dessin et c'est sorti depuis le 18 février. Le Joker est à l'honneur en ce mois de février. Après le tome 3 de Batman, voici Empereur Joker. Pour une fois, le coup de maléfique ne s'attaque pas à Batman, mais vise encore un peu plus haut avec Superman. Ce crossover entre toutes les séries Superman dans les années 2000 voit Joker acquérir le pouvoir de modifier la réalité à sa guise et va ainsi chambouler la vie de Superman et de son entourage. Le vilain se repousse au rang d'empereur, tranquille, et règne par la mort et le chaos, alors que Superman se retrouve ennemi public numéro 1 et que le seul héros capable de l'arrêter n'est autre que Bizarro. Un récit inédit et original mené par le scénariste Jeff Loeb, que vous retrouverez en librairie à partir du 21 février. On finit avec du lourd, puisqu'il s'agit sûrement de la meilleure histoire du scénariste Geoff Jones sur Green Lantern, la guerre du corps de Sinestro, qui débarque dans le tome 4 de la collection Geoff Jones présente Green Lantern. Ancien Green Lantern, Sinestro est maintenant à la tête de son propre corps, représenté par la couleur jaune de la peur, et sème la terreur à travers toute la galaxie, avant de s'attaquer au Green Lantern. Il n'a pas peur, lui. Une énorme guerre va donc exploser entre les deux corps, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est un crossover de 2007 entre les séries Green Lantern et Green Lantern Cops,
Vous retrouverez d'un côté Geoff Johns et Ivan Reis et de l'autre Dave Gibbons et Patrick Gleason. Une histoire immanquable, je dis bien immanquable, qu'il ne faut donc pas manquer si vous ne l'avez pas encore. En bref, on notera aussi la sortie d'un numéro spécial What If dans le numéro 3 de Marvel Universe avec les versions alternatives de Civil War et Secret Invasion. La conclusion de Batman Incorporated et du run de Grant Morrison sur Batman avec Batman Saga hors série 4. La première période de Dick Grayson sous le costume de Batman, dont le fils prodigue. Une nouvelle série indépendante de Jonathan Hickman avec East of West. Et enfin, le retour du dessinateur Richard Corben avec la miniserie fantastique Rage Moore chez l'éditeur Delirium. Voilà, c'est tout pour l'actu et les sorties comics. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait rêver, que ça vous a fait planer. Ou sinon, bah, rendez-vous la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Salut! Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Midnight Nation de Michael Straczynski et Gary Frank qui paraît chez Delcourt. Dans cette série, on va suivre un policier qui va se faire assassiner au début de l'histoire pendant une de ses missions, mais qui ne va pas mourir. En fait, il va se retrouver dans un monde parallèle entre la vie et la mort. Il va apprendre qu'on lui a volé son âme et que pour la récupérer, il va devoir aller de Californie, là où il habite, jusqu'à New York à pied pour tenter de la récupérer. Pour ce faire, il va être accompagné d'une jeune femme qui va avoir pour mission de l'accompagner dans sa quête. Donc c'est une histoire qui va prendre un peu la forme d'un road trip parce qu'on va suivre ces deux personnages sillonner les États-Unis. Alors il faut savoir qu'il a un an pour rejoindre New York et tenter de récupérer son âme, sinon il va la perdre et il va finir en démon. Donc sur leur route, en fait, ils vont être justement gênés par un certain nombre de démons. Michael Straczynski au scénario livre un récit assez original car à la fois il y a de l'action mais en même temps il y a des réflexions sur la société assez intéressantes. Il est aidé dans cette histoire par Gary Frank qui livre une partition vraiment excellente. Les dessins sont très clairs, le graphisme est super beau. C'est vraiment un plaisir de lire cette série. Midnight Nation vient d'être réédité chez Delcourt en intégrale, donc l'histoire est complète. En plus, Delcourt a mis un petit bonus à la fin, une histoire hors série qui était parue à l'époque, ainsi qu'une postface super intéressante du scénariste. Du coup, là, il n'y a vraiment rien qui doit vous empêcher de découvrir ce super comics. Ce n'est une révélation pour personne, les séries télé ont une grande importance de nos jours. Mais au bout d'un moment, ben les séries, elles s'arrêtent. Et là, c'est la catastrophe pour une armada de fans. Mais certaines séries télé ont la chance, ou la malchance d'ailleurs, suivant les cas, d'avoir une suite en comics pour ceux qui ont du mal à passer à autre chose. En voici quelques exemples. On va commencer avec Buffy Angel, j'en avais déjà parlé. Buffy se termine à la fin de la saison 7, mais possède une saison 8 et une saison 9 en comics. Bon, ce n'est pas super facile de commencer par les comics, mais par contre, pour les fans de la première heure, cette suite devrait plus que leur plaire. Ils pourront découvrir notamment qui est le fameux Crépuscule. Pour Angel, qui s'est terminé après la saison 5, là par contre, c'est déjà un peu plus délicat. Il y a une excellente saison 6, Angel After the Fall, dans laquelle Angel affronte les forces du mal dans la ville de Los Angeles plongée en enfer. Par contre, c'est sorti uniquement aux États-Unis, donc à vous de voir si vous souhaitez vous la procurer. La suite de cette saison 6 est la série Angel and Faith, qui elle est disponible par contre en France et est également de qualité. Il est conseillé de lire au moins la saison 8 de Buffy avant d'attaquer Angel and Faith. Et tout ça, c'est disponible chez Fusion Comics de Panini. Comic suivant, attention mes amis, Smallville. Eh ouais, pour ceux qui l'ignoraient, la série qui compte de très nombreux fans, et notamment en France, a aussi sa suite en comics. Il s'agit donc de Smallville saison 11, et qui raconte tout ce qui se passe quelques mois après la fin de la série télé. Disponible au format numérique, ce comics est assez fidèle à la série TV d'origine. Après, il y a quand même des choses à redire. C'est sympa, mais plutôt plat de manière générale. Tom Welling est surtout ressemblant sur les covers, mais bon, ça reste la suite avec tous les personnages que vous connaissez sûrement déjà, comme Green Arrow ou Chloé Sullivan. A noter l'apparition de nouveaux personnages, notamment au niveau des menaces, avec par exemple Hank Henshaw, soit Cyborg Superman. Pas de VF de prévu pour les moments, donc il faut parler anglais.
Toujours dans les longues séries télé, on peut penser à Supernatural, série toujours en cours avec 9 saisons actuellement. Wildstorm, branche de DC Comics, a créé 3 mini-séries de 6 numéros qui retracent ce qu'il s'est passé avant la série télé. Supernatural Origins, pour ce qui est des premières années de John, à savoir le père de Sam et Dean, en tant que chasseur. Supernatural Rising Sun, qui met en avant Dean qui suit pour les premières fois les traces de son père. Et enfin Supernatural Beginning's End, qui cette fois nous raconte pourquoi Sam a décidé de quitter sa famille pour rejoindre l'université Stanford. En vrac, on notera qu'il existe en comics une saison 10 pour X-Files, une saison 9 pour Charmed avec le retour de pas mal de personnages que vous connaissez. Il y a 50 000 comics Star Trek, donc si ça vous dérange pas, je vais pas trop vous en parler. Il y a aussi une adaptation de la série télé Batman de 1966. Donc en gros, pour résumer ça, ils ont pris Batman, ils en ont fait une série télé, et ils en ont fait un comics de la série télé. Logique. Plusieurs séries et mini-séries sur Doctor Who, dont une en cours actuellement pour fêter les 50 ans de la série. Prochainement, il va y avoir un comics Dexter, mais qui apparemment s'approcherait plus du roman que de la série télé, donc à voir. Enfin, niveau dessin animé, sachez qu'il existe des comics Simpson, Mon Petit Poney, et enfin Tortue Ninja. Pour ce comic, c'est le même principe que Batman de 1966, c'est-à-dire qu'il y a les comics Tortue Ninja, ils en ont fait un dessin animé, et ils ont ensuite adapté le dessin animé en comics. Voilà, pas mal de séries télé, donc, qui continuent en comics. N'hésitez surtout pas, la plupart respectent pas mal leur univers de base. Voilà, c'est déjà terminé pour ce tout sûr et cette nouvelle émission. J'espère que vous avez appris plein de choses à nos côtés. Et si par hasard, vous n'en avez pas appris assez, bah surtout n'hésitez pas à nous poser des questions sur Facebook. On vous y attendra avec plaisir. Ciao ciao tout le monde, bonne soirée.